مانيفيك داك العربية. العربية هو اللي يهضر معك بالعربية. عدنان القادوري لاعب ديال فريق كارينيو، مرحبا بك، العيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك. كيداز ايوا العيد كلشي مزيان. ليكيب د كارينيو هاد العام كيفاش؟ هاد العام جينا باش نعاودكم اللي من اشهر سنوين ديال الكاب تكنيك ديال الكلوب، وكنعرفوا عليه بلي اللاعب الوطني المغربي سابقا. نعم. لاعب كرة كبيرة. يعني ان شاء الله المونتي في كل عام يكون على كل مونتي ان شاء الله. هذاك التكتيك اللي عندنا ما يمكنش الفريق منكم. شكرا لك. شكرا عدنان. شكرا. شنو لونترينور؟ avec nous l'entraîneur de l'équipe Carigno, Monsieur Bruno. Monsieur Bruno, bonjour. Bravo. D'abord, je tenais déjà à vous remercier. Merci. Un grand plaisir. Une très bonne fête de l'Aïd. Merci beaucoup. Monsieur Bruno, d'abord, on commence toujours. Oui. Quelle l'ambiance, la vestiaire de l'équipe Carigno? D'abord, on a un groupe de trois joueurs. Est-ce que M. Bruno toujours il se base sur les ex-joueurs qui sont, ils ont de l'expérience, ou toujours ramener des jeunes joueurs qui donnent l'avenir de l'équipe Carigno? Bien sûr, l'avenir, c'est les jeunes. C'est comme ça dans le monde du football. Mais pour ma part, au niveau du groupe, il y a de l'expérience. Il y a des joueurs qui ont évolué plus haut, mais il y a aussi de la jeunesse. Et ça, ça fait vraiment un bon compromis, c'est vraiment un bon mélange pour nous. On sait l'objectif de l'équipe Carigno, de l'entraîneur, c'est monter chaque année. Est-ce qu'il y a les outils pour monter l'équipe? Il y a de l'ambition, comme je l'ai dit, je le répète, en fait, c'est pour les cas. Maintenant, je n'ai pas une boule de cristal, mais on va mettre un choix de notre côté. Le joueur numéro 1, c'est le public. Bien sûr. Et malheureusement, avec Poudémé. Avec ce virus, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va un petit peu. On ne sait pas si on va commencer dans les dates le week-end du 5 ou 6 septembre, le premier match du championnat. On ne sait pas. On est un peu dans l'inconnu. Nous, on travaille, on ne pourra pas regarder à ça. Et on verra par la suite. Ce ne sera pas nous qui aurons décidé avec ce que vous voulez. Quel message à donner au public, la supporter de l'équipe Carigno, pour assurer? Tout simplement à la de Carigno, c'est simplement de nous soutenir, surtout les efforts que nous avons fournis avec Maurice Marchand, avec Chantal, avec Momo Lachat, avec Dominique Cartier, avec Michel Stiven et moi, vraiment qu'on soit soutenus au maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 On est là du mardi jusque dimanche, de midi jusque minuit. Ça fait du coup de voir à l'air. Les crevettes, le calamar, le saumon, le bar, le rouge parfait, la tomate royale, le pangas, le sol, un alpine de bar, le cacio, le ketton, la raie, le merlan, un alarote. C'est un très bon poisson. Alors, la tomate rose, la sardine, les calamars, les chips et les bongolais, les tamoules, les moules, les scampi, les moules espagnols,
à la tilapia du crevette, moussicos du scambi torpedo, le scambi auxiliaire à la chambre, à la scambi au palais, pour les enfants, ceux qui n'aiment pas le poisson, pour les bons aimés, ceux qui vont aimer ça. Nous avons 180 000 kilos, allez le mini naya, mais le plus intéressant pour les familles, 180 000 kilos. 22 euros le kilo, à la rechange, prenez ce que vous voulez. Mais Arsen, si vous êtes le kilo, c'est mieux pour nos compatriotes, pour le drapeau de Yéna. Le plus intéressant. Sans présence, une petite salade mixte contre Al-Hadi, parce qu'elle est simple pour une personne, pour deux, trois personnes qui vivent dans la salade froide, tout ça amène une salade froide. Elle est un bon mix aussi de salade froide pour 4 personnes, 2 personnes, 5 euros pour 2 personnes, 8 euros pour 3, 4 personnes. Voilà, salam alaikum. On a une petite salle familiale pour toutes les familles qui souhaitent venir, Inch'Allah, à mon anniversaire ou. On a une petite fête comme ça, ils peuvent venir chez nous, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin. On a une salle de plus ou moins 50 personnes. Ou ceux qui viennent de la part de Radio Voltaire, Inch'Allah, ils vont avoir 10%, Inch'Allah. Une fois qu'on est au Radio Voltaire, automatiquement, on donne 10%. Wa khamij wa shawur khafid, donc on fait confiance. Mahbe vikoum. Mahbe vikoum. On a un jour, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin. On a une petite salle de 40 couverts, Inch'Allah, Naya. Après du compte, comme vous voulez, là, si jamais. Voilà, merci. Et l'adresse, on a l'adresse 155 Boulevard Maurice Aumônier, Mid Bruxelles. C'est à côté de Nîmes ou le Maharaja. Voilà, merci beaucoup. Le but, il est là, il est de montrer que la région. Voilà. Et qu'on essaye d'une région où il est peuplé de talents incroyables. Malheureusement, essayer de les mettre en avant. Quoi. Ouais. Ouais, c'est surtout ça. En fait. C'est pas habitué à ça. Hein. Et tu vas passer à télé à Bruxelles. Ouais. Télévision bruxelloise, va. C'est bon. J'ai mon masque. Oui, c'est mieux. Ouais. Mais enfin, toi, tu es tout seul. Toi, tu es tout seul, tu peux enlever. Oui, oui. Regarde les rires à quoi je suis. Oui, oui. Pour montrer que je l'ai. Oui, oui. Ah ouais, voilà. Avec nous, Mohamed Lashaf. Mohamed Lashaf, marhaba bik. Eid Moubarak Saïd d'abord. Mohamed, nous sommes au Darib, en Afrique, à Lyon. Nous sommes à la Chiribadi. C'est l'expérience dans l'année directeur technique de FAPRA, Carnion. C'est l'athlétique de Carnion, c'est un club de 4e provincial qui commence, qui a besoin de beaucoup de soutien, on essaie d'apporter beaucoup de jeunes, d'essayer de structurer le club. Donc voilà, on a eu un projet il y a 3 mois avec moi et Dominique Paché, qui est le président du club. Donc voilà, on a eu cette idée de prendre ce club et d'essayer de faire quelque chose de cette région, parce que c'est très 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 difficile, on a des régions très compliquées et très difficiles. Donc voilà, le but il est de réunir et de rassembler pour pouvoir... dans un avenir, Mohamed, يعني malgré cette pandémie de maintenant, mais لكن قلت تشبهت ليكيب بادي اللي كتلعب واحد المستوى زوين شويه. راك عارف لا بانديمي هنا ديال الكوفيد راه تديها في كل بلاد. Dans le monde entier, on est confronté avec la demande. Ici, dans cette région ici, on a eu beaucoup de soucis parce qu'on avait fait des préparatifs très, très, très impressionnants et importants, parce que
il y avait des joueurs de D1 qui devaient venir, il y a des jeunes, on devait faire un lever de rideau, on devait faire quelque chose. Mais malheureusement, avec le Covid, tout est annulé. Donc on a droit juste à faire le match avec quelques supporters et de plier bagages. C'est rien à faire d'autre. Plus on reste à la maison et plus on est en sécurité. Monsieur Yassareb, il y a grave le championnat de commence au mois d'octobre. Septembre. Septembre, Inch'Allah, normalement le 6 septembre, le championnat a débuté. Donc voilà, Kachrida, Dreri, Hatsra, ils sont motivés. Donc le Moural, Zanara, Mzianine, le Baradine, la Bomarine, deuxième provincial. Très bon aussi en deuxième provinciale, c'est pour ça que j'ai voulu faire organiser un match avec une équipe plus forte que la nôtre. Donc, voilà, on va faire ce qu'on peut faire avec l'IMET et on se retrouve chez Icon. C'est quoi l'objectif, monter chaque année ou l'objectif de l'équipe, monter chaque année ou c'est de monter évidemment. Mais bon, on va prendre match par match, Inch'Allah. Et l'objectif personnel. L'objectif personnel, il est quoi? Moi, je suis ici pour aider le club. Hein. Si un club de D1 il vient me chercher, pourquoi pas? Comme entraîneur. Ou le Fulbled. Moi, mon rêve, t'arraf, c'est Raja. Raja, si vient me chercher, pas de problème. محمد الاصحاب شكرا بزاف. محمد لاعب دولي سابق للمنتخب المغربي ولاعب فريق لعدد من الانديه اندليك ستاندارد ليج وعدد. شكرا لك محمد الاصحاب. شكرا بارك الله فيك. دوز ان انستون با ريسيفوار لو بريزيدون دو ليك. محمد العيشي اهلا وسهلا بك، لاباس عليك بخير؟ كي داز العيد بعدا؟ ايوا مزيان شويه مع الكونفينمون بو ديفيسيل سينو صافا. محمد العيشي دابا مع فريق كارنيو، كومو سا سباس هنايا مع فريق كارنيو؟ هو غاديرو نوفال اكيب مع الناس مزيانين، نخرجو مع دي كارت مزيانين. مومو حق اللي قال لي اجي معايا باش نلعبو. شفت محمد الصحاف دريكتور تكنيك ديال ليكيب كارنيو، واحد الشخص عنده واحد باك تري شارجي. ان شاء الله. محمد العيشي اكسبيريونس في الشامبيون بيل الشامبيون ماروكين ان فالور اون بليس بور ليكيب ديال كارنيون. ان شاء الله. L'objectif personnel de Mohamed Laïchi. C'est d'être champion. Inch'Allah. Shukran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Mohamed Asif, l'entraîneur de l'Al-Kouem. Mustafa Asif, l'entraîneur de l'Al-Kouem. Marhaba bik. Aoul Haja, Eid Moubarak Saïd. يعني malgré les polémiques ce qui se passe maintenant, les matchs amicaux c'est très important pour l'équipe qui prépare pour la saison prochaine. Un boulot très important parce que je suis à Cavalier mais il faut savoir en même temps. Ouais, c'est bien, c'est bien. Le voir, tout est bien. Mais c'est très important. Et là je dans la vie nord, parce qu'il faut. Les matchs amicaux que tu as joué avec une équipe de P4, c'est bien pour voir le système de jeu, comment vous jouez. Ça a la confiance. La confiance, après, il faut appeler le niveau de l'équipe. Parce que l'équipe, je dis là, et après, on va dans le champ. Quel est l'objectif de faire la Ah, l'objectif de là, il y a une division. L'objectif personnel, il y a le Kinza. 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 Il y a le Kinza
معك وكابري شكرا لك مصطفى شكرا اوكي Après avoir reçu la présidente de l'équipe, on va recevoir maintenant le président du cadre administratif, si on peut dire. On va vous laisser vous présenter, monsieur. Je m'appelle Pache Domenico et je suis président du conseil d'administration. Je suis venu dans ce club pour vous donner un coup de main, pour dynamiser un peu ce qui manque un peu à Carnion. Et donc c'est pour ça que bon, j'ai demandé à mon ami Mohamed Lassa de me donner un coup de main. Tous ensemble avec une bonne structure, nous avons beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition avec le groupe qui va constituer entamer cette saison. Ok, magnifique. Quelles sont les difficultés de cette équipe en fait? C'est une équipe qui est en mode d'avance, mais c'est un peu de voir jouer ensemble, donc il est très difficile de dire s'il y a des difficultés. Apparemment, on voit les premiers matchs amicaux, on a assisté, donc c'est pour des joueurs qui supérieurs, donc j'ai toute confiance au staff, au coach, au directeur technique, pour affûter dans les semaines. Ok, magnifique. Et les enjeux de cette équipe, si je veux dire, le but, c'est quoi le but, je veux dire, actuellement pour cette équipe? C'est de monter ou... Bah, bien entendu. Ok, bien entendu. La top 4 est quand même le niveau le plus bas. Donc, nous espérons jouer le titre. Eh bien, on voit de nouvelles têtes, si on peut dire, au sein de cette équipe. Madame Chantal, qui a confiance en ça, à ses joueurs. Vous avez ici une personne de lourde expérience, une expérience internationale, M. Rassab, qui va aussi donner de son, je veux dire, son acquisition pour cette équipe. Et vous aussi, et les joueurs aussi. Et nous espérons que vous pouvez voir prochainement dans une nouvelle stade. Voilà. Merci. Merci à vous. Je disais, c'est formidable, c'est magnifique de voir une femme à la tête d'une équipe de foot de garçons. Parce qu'il y a le foot féminin maintenant. Oui, je sais, l'organisation de la cérémonie de Lyon belge, que M. Dordine à la tête, était la première organisation à avoir récompensé la femme footballeuse en Belgique avant même le Célier d'Or. Ça vous fait quoi d'être président d'une équipe de foot masculin? C'est plaisir et j'espère que je pourrai les mener à bien parce que nos objectifs sont très hauts. Est-ce que c'est votre première expérience? En tant que présidente, oui. En tant que présidente. Ça fait deux saisons que je suis l'athlétique club Carnion. Ah, magnifique. Alors vous avez une expérience vraiment... je veux dire, formidable pour pouvoir mener cette équipe en avant. Ah, magnifique. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir accordé cette interview. J'espère qu'on verra, je suis sûr et certain qu'on va voir un très bon match. Et je vous souhaite tout le réussite. J'ai confiance en mes joueurs. Ok, magnifique, Madame. Et... Ça va, Mo? Ça va, ça va. Ouais.
مباراة حبية بين فريق كويم وفريق كارينيون لا ريجون دو مونس. فريق كويم كيلعب في قسم الوطني الثاني ديال البروفنسيال بالنسبة لفريق كارينيون اللي هو المستقبل كيلعب في قسم الوطني الرابع بإدارة عربية محمد صحاف مدير تقني بفريق كارينيون ومصطفى مدرب لفريق كويم. Thank you.
un désordre. Dans le pied. Hein. Mehdi, Antonino, on est très loin des hommes. Ils ont une sentinelle, il y a rien qui déchante. Entre là, Mustapha, Diel, Farek, Kouel. La réserve, bon, tout ce qu'il y a à faire. Deux fois. Allez, concentration, ouais. Ne sois pas trop, Simon. Simon. Non, mais sois plus dans l'axe. Attention.
Adnan, par moment tu es trop bas. Entre notre milieu de terrain et notre défense, il y a 15 mètres. Tu sais, tu reprends des mètres. Tu sais, tu reprends des mètres. Serrez, serrez.
l'arbitre doit demander le ballon. J'ai envoyé la balle quand je vous la demande. Ok, ça va. Vous n'envoyez rien. C'est deux. Plus on va serrer. Allez. On est trop loin des hommes. Ouais, qui ? Maintenant, voyons, Il est deux au but. Pourquoi une faute ? Laisse derrière ! Sortir. Ednan, sors jusqu'à la ligne. Comment tu vois, ça? C'est vrai qu'on nous emmerdait. Allez, Thibaut. Serré. Dans les pieds. Lève la tête. Ah, jouer les espaces. Hors-jeu. Sam. Ednan, monte direct. Lève la tête. Dans les pieds. Et tu recules après. Mehdi, reste dans l'axe. Mais là, il y en a qui vont venir. Oh, Mehdi. On joue, hein. Ben voilà, il doit siffler la fin, là. 2x25. Non, 2x22. Échauffe-toi. Tu lui as dit quoi, Christelle? C'est 22-30, je lui ai dit. Échauffe-toi, tu rentres dans 3 minutes. 22-30, c'est 4x25, on attend. Mais non, on a changé, on vient de dire.
un brouillon après. Hein. Tu vas reprendre la place de Mehdi, Djibril. Ça va? Les gars, on gagne des duels, les noirs! Des duels! Des duels là! Allez, duel! Au duel, Guy! Pas trop vite. Sortir. Ednet, sort. Sortir. Allez, les gars. Encore. Allez, allez. Changez. À la balle, Guy. Yeah.